Gabon, reprise des trainings. Putain, j'ai l'impression là, je pars en vacances tellement je suis content. Non, franchement, reprise des trainings là, ça fait du bien. C'est bien reposé. Je vais pas vous filmer ce training là, je fais le dos. Demain, par contre, je vais vous filmer ça. Demain, je fais les pecs. Donc, à partir de demain, paf, grosse séance pec. Aujourd'hui, c'est grosse journée de coaching. Les premières semaines de la rentrée là, début septembre, ça commence à rebouger un peu, du coup focus à fond sur les coachings, training. Après on continue sur les coachings de 17h à 20h, donc voilà. Et puis bah voilà quoi les gars, là, je vous dis à demain ou à tout à l'heure vu qu'on regardait la vidéo, mais pour moi c'est demain, donc voilà, comprenez le truc. Donc les gars, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts pour une séance pec demain là. À tout de suite. Bon les gars, comme convenu, séance pec au programme pour aujourd'hui. Donc là on commence spécial haut de pec. Donc là on va vraiment chercher le faisceau claviculaire. Donc premier exercice, comme vous avez vu, premier exercice, on est sur du écarté poulie départ en bas pour justement aller chercher les fibres hautes du pec. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là 15 reps avec un bon mouvement contrôlé, une bonne contraction en haut. Et le but là c'est vraiment de quand on est en haut, de ramener un peu son coude à l'intérieur pour justement aller chercher l'intérieur du pec et bien contrôler et désengager les épaules. Donc voilà, on va passer à l'exercice numéro 2. On y va tout de suite. Donc là les gars, deuxième exercice, développé incliné à la machine jaune. Donc là, le fait que je me mette à la machine, ça change des poids aux haltères pour avoir un autre ressenti sur le muscle. Et là du coup, vu que c'est incliné, on va, la machine, au lieu qu'elle aille devant, elle va un peu plus, elle est convergente, elle va sur le haut et la compression est maximale. Et cette machine du coup elle est top. C'est sur cet exercice là où je vais faire du lourd. Je vais essayer de monter en charge le plus possible, faire du 6 reps pour justement créer cette hypertrophie du coup en haut de pec. Que d'habitude, imaginons que je fasse sur de l'haltère mais que ça soit mon devant d'épaule qui prenne, alors que là sur celui-là j'arrive à vraiment bien désengager le devant d'épaule. Là on est bien. Donc là, 6 reps, je vais continuer à monter en poids. Je sens que ça va là. C'est assez lourd, mais je sens que je peux continuer à monter. Après, je vais remettre un 10. Je pense. Bah, c'est pas... Tchou. Première série. 8 reps à 70. Donc, je me suis senti bien. Donc là, j'ai mis un 10 de plus. Je dis pas que je vais en faire 4. Comme ça, mais là je vais essayer d'envoyer sur celle-là et après je vais voir si c'est trop lourd, je vais rabaisser. Donc là je me mets un petit peu de musique et c'est parti. Putain. Ah, je me suis surestimé là. Réellement. Là, j'en ai fait que 5. Bon. Du coup, je vais vraiment passer à 70. Pouh, je vais repasser à 70 et je vais continuer mes séries parce que là, vraiment, c'était lourd. Putain, elle m'a fumé.
Là, on essaie de partir sur 8 reps. Série lourde, là c'est ma dernière, après on passera à un autre exercice. Donc là je vais essayer de rester sur du 8 reps, ça va être dur. Mais il faut, à ce moment-là il faut pas arrêter. Allez. Exercice suivant. Alors, exercice suivant, vous l'avez déjà vu sur le vlog de Marseille, je crois. Incliné, barre guidée à 45 degrés. Donc on est parti. Donc là, donc c'est un mouvement un peu plus léger. Je démarre avec deux rondelles de 20 sur 12 reps. Et ensuite, on voit comment ça se passe, mais souvent, deux rondelles de 20, c'est ma charge de travail sur 12 reps. Au bout de la dixième, je sens que c'est bien lourd. Donc là, on est parti. Là, ici, là, naturellement, il est top. 3. 2. Écarté à la poulie sur un banc à 30 degrés pour justement éviter les haltères. On va prendre la poulie pour avoir une tension continue sur le muscle. On va faire un spécial, donc c'est la méthode 21. On va faire 7 reps en barre, 7 reps partiellement hautes et 7 reps complètes pour aller chercher toutes les fibres musculaires sur un même mouvement. Et c'est une chanson des Jules là, ça. T'es contente? Donc là on prend léger, donc c'est un exercice d'isolation et exercice de finition également. Comme d'hab, on est sur la fin de cette séance là. On va corriger la technique au mouvement. Allez. 1. 2. Là c'est les meilleurs moments là. La congestion arrive de fou. Meilleur moment. Franchement 10 kilos. On va se mettre 12-5, on va voir si j'arrive à garder cette même technique.
Deuxième série du coup là. Après je me mets en débardeur. Non je rigole, je suis trop timide. Je suis pas encore assez sec. Je suis pas assez sec comme l'être humain qui est derrière moi là, voilà. Qui fait les épaules. Pour ça je veux pas me mettre en débardeur. Ah putain la vache. Dernier exercice pour les pecs, exercice de finition enchaîné en biceps, développer incliné haltère, donc léger, donc là c'est encore un exercice de finition, donc on reste sur du léger et ensuite on enchaîne directement avec des pompes, vraiment pour se fumer les pecs. Et vu que je vais faire un exercice de triceps juste après, là vu qu'il y a les pompes et les triceps, ils ont bien travaillé pendant la séance, je vais pouvoir les finir également. Donc là c'est parti. Développé incliné, donc à 30 degrés encore, toujours pour rester sur le haut de pec, comme on a fait toute la séance. Donc là, le mouvement, c'est un exercice de finition et c'est léger. Le mouvement, il doit être contrôlé au maximum. J'ai oublié de préciser 10-10. Oh my god. Donc là, je vais vous laisser sur ça. Je vais finir mes deux dernières séries. On se retrouve tout de suite pour les triceps. Dernier exercice pour les triceps. Donc là, la spécificité de cet exercice, c'est un bar au front. Donc on prend bar Z pour mes poignets, pour éviter de... Moi, mes poignets, quand je me mets ici et qu'ils sont droits, ça me fait mal sur les poignets. Donc je préfère avoir une prise... je suis fatigué. Une prise avec la bar Z pour que mes poignets soient soulagés déjà d'une. Et deuxième spécificité, c'est qu'on part sur 10 reps. On part sur 10 secondes d'isométrie, donc l'isométrie on va la faire ici, on repart sur 5 reps, 5 secondes d'isométrie et 5 reps. Donc là c'est un exercice d'endurance spécialement, un petit peu aussi sur l'hypertrophie, mais sans léger, donc on y go. Comme ça,
Enfin, du coup, maintenant 3. Et puis bah, après, fini pour l'entraînement. Aujourd'hui, c'est un petit volume. Mais comme vous avez vu, du coup, sur ma planification d'entraînement, sur les pecs, j'ai un gros volume sur les deux semaines. Donc aujourd'hui, sur cette séance, vu que c'est le haut de pec, c'est un petit volume. Oui, c'est déjà un plus petit muscle, il y a un petit peu moins de volume. Et voilà. Gars, bon, n'est-ce pas magique ça? Commande Amix reçue. Donc là, je vais ouvrir tout ça. Donc du coup, là, ça va me faire le mois de septembre. Normalement, c'est... il m'en reste encore un petit peu de crème de riz. Donc, crème de riz à base. Goût banane, miraculeux. 2, donc 3 kilos. Un troisième white. Chocolate, chocolat blanc pour les French. Ça, c'est le petit plus, c'est le petit plus. Les sauces, zéro. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ces sauces-là. C'est de la frappe. Prenez, goûtez, vous allez voir. Réellement, ça a vraiment le goût des vraies sauces. Et en plus de ça, zéro fat, zéro sucre. Pour une portion de 15 grammes, vous avez à peu près 5 calories, tout dépend des sauces. Mais c'est rien du tout. Vous en mettez pas forcément à tous les repas. Pour changer un peu de goût, etc., vous alternez avec les épices pour éviter d'avoir toujours le même goût. Donc voilà, maintenant, avec tous ces trucs-là, on peut suivre une diète sans être trop déconnecté de la réalité. Comment parler de la crème de riz? Une réelle histoire d'amour. Non, réellement, depuis que je prends ça, ce qui est vraiment mes diètes, ça apporte un gain d'énergie réel sur la phase d'entraînement, puisqu'on prend ça juste avant l'entraînement, à peu près une heure. On a de l'énergie, des glucides rapides à digestion rapide. Donc, en gros, c'est de l'énergie qu'on peut mettre directement dans la séance et qui est utilisée directement. Avec ça, vous allez faire des charges, croyez-moi. Vous allez progresser physiquement, du coup. Donc, il y a plusieurs goûts. Là, chocolat, noix de coco, chocolat blanc, banane. J'alterne de mois en mois. Il y a double chocolat aussi, cookie, crème de cacahuète et d'autres aussi, je ne sais plus. Donc voilà les gars, ça c'était le petit unboxing colis Amix. Donc dans la description, j'ai mon code WP10. N'hésitez pas, surtout, c'est avec plaisir même que je vous l'offre, ce petit code de réduction. Sans vous mentir, moi ça m'aide pour justement me réalimenter ensuite. Et bah, m'aider dans ma préparation pour la compète. Voilà, ça m'aide énormément. Ça commence à coûter bonbon. Donc voilà les gars, je pense qu'on va finir sur ça, sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce vlog. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et là j'ai envie de dire, laisse un like, un commentaire, un partage, s'il te plaît. Donc voilà les gars, allez, peace.